bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons manger Burger King. Nous avons pris Burger King aujourd'hui. Sephora a pris un Kingfish, alors c'est un burger avec du poisson, panier, des frites, une glace au Nutella. Une glace au Nutella comme ça. Avec ça elle a pris un Coca Cherry avec des glaçons et des frites. Moi j'ai rajouté des onion rings pour nous deux. Je me suis pris un menu rosti montagnard. Alors il y a des oignons caramélisés, des cornichons, des oignons normaux, du bacon, de la sauce raclette, un rosti et un burger et un steak. Avec ça je me suis pris les King Fries avec sauce raclette. En boisson je me suis pris un Coca Cherry sans glaçon. Bon appétit, on vous aime tous très fort. Ouais, cheers. Il y avait de glace. Cheers. Cheers. Aaron n'est pas dans la vidéo parce que bah, il est en train de manger à côté, il a pas envie d'être dans la vidéo. Il a demandé à ne pas être dans la vidéo. Enfin, quand je lui ai proposé, il a dit non. Ça fait du bien. Ouais. Mange. J'aime trop le Coca Cherry. Bon, je vais goûter ça. Je me suis pris une sauce andalouse juste ici. C'est McDo. Oui, Aaron il appelle tous les trucs comme ça McDo. KFC, Burger King, Lunch, tout, c'est McDo. Maman, McDo, maman, McDo, maman, McDo. Bah, comme toi quand t'étais plus jeune. Hein. C'est pour aussi quand t'étais plus jeune, elle disait tout McDo. Je te jure. Moi, je vais goûter ces frites. Moi, je vais goûter des burgers. Regarde comment elles sont les frites. Elles sont comme ça. Et le blanc là, c'est la sauce raclette. Mais en vrai, dans la photo, le poisson il était gros avec bourré de salade. Mais ben c'est toujours ça. Hein. Dans les photos, ils font style, c'est beaucoup, mais en fait, il n'y a pas beaucoup. Comme là, dans la photo, ils ont fait style, il y avait beaucoup de sauce raclette, alors que là, il n'y avait pas beaucoup. Oh bon. C'est peut-être pas trop, mais trop bon. Ouais. On a des amis qui arrivent. Ouais. J'ai trop hâte de la voir. Alors, on veut bien passer le week-end avec nous. Alors, il y a Louane. Et sa maman. Et sa maman. Sa maman me gardait quand j'étais plus petite, quand j'avais l'âge de Sephora. Même un peu plus jeune que l'âge de Sephora. Du coup, elles vont venir là. On va faire le week-end ensemble. On va faire piscine, parc et tout, blabla. J'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps. On va peut-être se faire un restaurant. Hein. Ouais, vas-y, le restaurant chinois. Je sais pas, on va voir. Depuis que tu m'as dit qu'on allait faire soirée pyjama, je suis trop excitée. Bah là c'est pas juste soirée pyjama, c'est week-end pyjama. Ouais. Elles viennent là, bah là dans 2 heures, elles arrivent dans 2 heures et elles partent dimanche. Donc week-end vendredi, pyjama. Samedi, et elles partent dimanche. Ouais c'est vrai, week-end pyjama. Alors que je vous montre un peu ça là. T'as vu comment il est? Ça fait plusieurs années qu'on s'est pas vu. Pas énormément non plus, ça fait même pas un an. Ah. Si. Non? Mais il est bon hein? Tu vas là. Il fait la taille de mon visage là. Pour Loane et moi, ça fait longtemps quand même. Ça fait pas un an qu'on s'est pas vu. Hein. Wow, il est énorme ce burger. Wow, il est petit ce burger. Il est tellement énorme quand je l'enlève, il n'y a plus rien sur le plateau de mon côté. Pour moi, celui-là, il est petit. Non, mais c'est de ton âge. Je peux plus, bah, mange pas. En même temps, il prend un menu King Junior plus. Alors il a pris un menu King Junior, normal. En vrai, ça me manque les grands menus. Surtout les masters. T'as jamais pris le master. Mais comment ça s'appelle, j'ai dit que je prenais tout le temps là. Le Whopper. Oui, le Whopper. Il me manque. Bah oui, mais maintenant, je te l'ai dit, hein. Tu arrêtes de prendre des menus de grands. Quand j'avais 10 ans, je te jure, je pourrais prendre. Et pas 10 ans. King Junior Plus c'est de jusqu'à 11-12 ans je crois.
partir avec mes amis quand je serai plus grande, je prendrai des gros menus. Est-ce que tu auras l'argent? Bah oui. Ah bon? Bah oui. Où? Avec toi. Ah! C'est moi qui aurai l'argent. Si tu te comportes bien, si tu me demandes gentiment quand tu seras grande, tu te comportes bien, peut-être que je te donnerai 5 ou 10 euros. Mais ce ne sera pas assez pour acheter un menu master. Je ne veux pas un master, moi. Dans un beau peur. Mmh. Mais on n'est pas encore arrivé là. Hein. Mmh. C'est encore dans longtemps, t'as 8 ans. Mmh. Attends. Mmh. Voyons voir. Fais un. En tout cas, j'ai pas hâte d'être adolescente, moi. Pourquoi? Les adolescentes, elles pleurent tout le temps. Toi-même, déjà là, tu pleures tout le temps. Bah, en même temps, je suis petite, c'est pas ma faute. Bah, c'est pareil. Quand t'es petite, tu pleures tout le temps. Quand t'es adolescente, tu pleures tout le temps. Pourquoi tu les accuses de pleurer tout le temps alors que toi-même, tu pleures déjà tout le temps? Mais elles pleurent pour des histoires stupides des amoureux. Bah, toi aussi? Non. Tu pleures tout le temps pour des histoires stupides des amoureux. Non. Tu pleures pour des histoires stupides des copines. Tu pleures pour des histoires stupides de quand je te punis dans ta chambre. Elles pleurent pour des histoires stupides parce qu'on leur coupe les cheveux alors que moi, je pleure. J'ai pas pleuré. Non, mais parce que toi, tu le voulais. Ouais. Alors, si je te coupais les cheveux pendant que tu voulais pas, t'aurais pleuré aussi quand même. Mais bref, elle pleure pour des trucs inutiles. Donc en gros, tu dis que quand tu seras adolescent, tu seras stupide. Ouais. Mais je m'en fous parce que quand je serai adulte, je serai pas stupide. Ah bah tu sais, il y a des adultes qui sont stupides. Hein. Ouais, je sais. Il y a des adultes qui se comportent stupidement et t'as des adultes qui sont stupides, tout simplement. Bah c'est parce qu'ils sont tarés, c'est tout. Hein? C'est qu'ils pensent qu'ils sont intelligents, ils pensent qu'ils ont raison, mais c'est stupide. Donc, on peut être stupide à tout âge. Mmh. Mmh. Moi, je suis pas stupide. Rien, on ne veut pas. Je sens bien le fromage raclette dans ma bouche quand je mange ça. C'est bon? Mmh. Mmh. Et mon travailleur? Il est bon ton burger ou pas? Mmh. Rendez. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que là, le burger il me cale. J'ai fini mon jus. Du coup, là, mon ventre est plein. Voilà. C'est vraiment. Moi aussi, le burger il m'a un peu rempli. Mmh. Sachant que sur la route, on a mangé donuts et madeleines. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye. Bye.